Yahoo, dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et on va parler de Docteur Virgin. Ce manga est un one-shot des éditions Bozo dans la collection à 4,99€. Il fait partie du pack numéro 13, si je dis pas de bêtises. Et nous sommes sur une série qui est dans le genre romance étrange de vie. L'œuvre date de 2011 au Japon et de février 2014 en France, comme le précédent Yaoi que j'étais présenté vu qu'il fait partie du même coffret. En ce qui concerne la série, nous sommes sur un manga âge conseillé 16 ans et plus et nous sommes avec l'auteur Alto Aoyama. On attaque donc avec mon avis sur les couvertures. Je te dirais que dans l'ensemble, je n'ai pas du tout été captivée par les couvertures. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça qui m'avait donné envie de lire le résumé, plus le résumé, même si ça me paraissait être quelque chose d'assez classique et déjà vu. Mais je t'avoue aussi que je l'ai lu parce qu'il était dans le pack et que, à savoir que dans les 5 du pack, c'était celui qui m'intéressait le moins. Pour ce qui est de l'illustration à l'avant, j'ai un petit peu du mal entre la position des personnages, entre le côté gros pervers avec la langue sur le côté de l'autre et surtout celui qui est allongé sur le lit. Son rendu esthétique au niveau du visage est bien fait, mais autant l'autre je trouve qu'il est un petit peu foiré, je trouve pas beau sur cette illustration. Voilà, c'est tout. Après, le seul truc qui m'a fait en fait soupirer, c'était qu'on nous a mis donc dans les pages que tient le docteur donc la taille du sexe de l'autre. Et j'en suis venue à me dire pourquoi on nous met cette info, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en tant que lecteur de se dire « Ah, elle fait 14,5 !» C'est histoire de nous dire que celles des Asiatiques, elles sont pas si petites que ça ou c'est quoi le problème? Parce que voilà. Je veux bien hein, que ce soit le coup du docteur avec donc les fiches de renseignement sur le patient, mais là, voilà, ça, moi, ça, honnêtement, ça m'a pas... Surtout quand tu vois du coup, les statistiques par rapport à la taille de ça pour les Asiatiques, tu rigoles parce que tu as l'impression vraiment qu'ils ont joué là-dessus pour dire « Non, non, on n'est pas des toutes petites, hein, faut pas croire ». Voilà. En ce qui concerne par contre l'arrière, je l'adore parce que j'adore l'écriture choisie pour le titre. J'adore aussi qu'on soit sur des ronds, j'adore aussi la couleur qui est vraiment divine. Bon, je sais ça rend pas justice avec ce fond là, mais vraiment la couleur est juste divine. On a un petit rond aussi avec l'illustration que l'on retrouve quand on enlève la jaquette et à l'intérieur du manga, donc ça c'est plutôt cool. Les côtés de jaquette n'ont rien de particulier, on étire la photo, donc voilà, avec juste des petites présentations de l'auteur. Et de ce côté, on a le vampire que je trouve trop beau et trop badass, voilà. Quand on a l'illustration ici, mais on a ceci en illustration, je te montrerai sur mon face-table. Et de l'autre côté, on a encore une fois le vampire, donc ça me plaît, je le trouve trop beau. Même si c'est toujours la même illustration au final qui est recyclée, c'est pas très grave. Quand on ouvre le manga, on a une fois de plus donc la même illustration, mais en noir et blanc. Et quand on ouvre le manga, donc on se retrouve sur une page de sommaire, je t'en parle juste après au niveau de cette page de sommaire, mais en fait faut vraiment pas s'y fier. Et on a une illustration qui est plutôt sympa, mais sans plus au niveau donc de la page pour la première partie avec Dr. Virgin. Si concernant mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que pour un vieux manga, je le trouve plutôt sympa. Et j'apprécie vraiment cette qualité de dessin, donc on va être sur un j'adore. Pour ce qui est de mon avis sur la série, donc je pense que je te l'aurais dit dans la partie juste avant, car moi je filme d'abord ces deux côtés, puis les deux autres côtés. Il faut savoir donc que nous sommes sur deux histoires différentes et que en fait quand on regarde la page de sommaire, on a l'impression qu'on a beaucoup de chapitres et donc beaucoup d'histoires, alors que ce n'est pas le cas. Et personnellement j'ai vraiment eu le doute jusqu'à la dernière seconde. Pour ce qui est donc de mon avis sur la série, en ce qui concerne Dr. Virgin, je te laisserai donc regardez le résumé en barre d'infos pour ce qui est des grandes lignes. Personnellement, j'ai pas été du tout emballée par cette série. Je l'ai trouvée plutôt sans intérêt. Et je vais assez loin au niveau de mes mots. Oui, j'ai trouvé vraiment sans intérêt. Je n'ai pas du tout été captivée par ce que j'ai lu. Et surtout, c'était limite du viol. Donc, j'étais pas dans l'envie de viol. Voilà, il y a des moments où ça ne me dérange pas spécialement et il y a des moments où le viol me dérange largement. Donc là, c'était dans le viol qui me dérange et je n'avais vraiment pas envie de lire. Donc on attaque avec mon avis sur la deuxième histoire. Alors déjà, truc très dommage pour moi, c'est que c'était un manga sur la deuxième histoire sur le thème Halloween. Donc j'aurais préféré le lire en octobre. On est mi-novembre, ok j'avoue, le jour où je l'ai lu, on était mi-novembre. Mais j'étais plus dans le Halloween Manga Challenge parce que c'était presque terminé et que j'étais plus dedans. Et en fait, on suit les aventures d'un jeune homme qui est sur le point de démissionner parce qu'il a subi du harcèlement sexuel de la part de son patron.
Et le patron refuse tout simplement sa démission. Là-dessus, bon, après, on va découvrir donc que les personnages, bon, ils vont se mettre ensemble. Et on découvre aussi, après, à travers cette histoire, un autre couple de deux autres employés dans cette société. Donc, ce que j'ai énormément apprécié dans ce manga, c'est qu'au final, le directeur est un vampire, le patron de la société, et qu'un des employés est aussi un vampire, et qu'on a aussi un descendant de la Dame des Glaces. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'on était donc sur des créatures fantastiques. En plus, c'est vraiment plutôt bien mis en avant. J'ai vraiment adoré la relation entre le vampire et le descendant de la Reine des Glaces. Et j'ai aussi adoré la relation entre le patron et son employé humain. Donc j'ai vraiment apprécié les deux histoires, même si ce qui m'a dérangé vraiment énormément, c'était quand j'ai enlevé la jaquette, ou même quand tu ouvres le manga et t'as la fameuse page avec le patron vampire, etc. Ce n'est seulement pas une page que l'on retrouve dans le manga, alors je m'attendais vraiment à avoir des relations un petit peu hautes comme ça entre le vampire et l'humain, qu'on n'avait pas du tout finalement dans la série, donc j'ai été un petit peu déçue. Donc en ce qui concerne mon avis, j'ai vraiment adoré le fabricant de jus de tomate, donc l'histoire avec les créatures fantastiques, mais par contre j'ai détesté vraiment la série de Docteur Virgin parce que je trouvais qu'elle était sans intérêt et surtout que voilà, c'est du déjà vu à peu près. On a déjà eu une histoire comme ça entre deux médecins qui avaient des relations parce qu'il y en avait un qui avait un petit problème d'érection, donc j'ai été un petit peu déçue là-dessus. Mais la deuxième histoire était plutôt sympa et puis les créatures fantastiques en yaoi, on n'en a pas des masses, donc j'ai vraiment apprécié cette lecture. Je suis désolée, j'ai galéré vraiment à expliquer mon avis sur les deux histoires. Je l'avoue, j'ai galéré. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à faire exploser la barre des pouces bleus. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite aussi pour la nouvelle yaoi. N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire si tu as déjà lu la série ou pas du tout. Si je t'ai donné envie de la découvrir ou absolument pas. Et si tu as déjà lu cette série, n'oublie surtout pas de nous mettre ton avis en commentaire, ça ferait très plaisir de découvrir. Et ça permettra aux autres penchés d'avoir un second avis. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt!